Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3 de la campagne macédonienne. Voilà. Et exactement donc comme avant l'épisode 2. Donc voilà, là cette fois je vous épargne vraiment la partie gestion. Et on se retrouve sur le champ de bataille. A tout de suite. Il y a du nouveau. Athènes nous demande de rejoindre la guerre contre Épire. Alors voyez, Épire, je peux être inamical, mais Athènes, bien sûr, est hostile en guerre. Sparte aussi. Le truc, c'est que la Grèce, je vais essayer de m'en emparer complètement. Donc rejoindre la guerre contre Épire maintenant, alors que je suis en guerre contre le royaume d'Étilis qui me menace, serait une erreur. Même s'il me donne 170 deniers, ce qui n'est rien du tout. Ça ne changera rien. Je peux faire une contre-offre. Donc, leur demander un accord commercial. Et plus d'argent. Soyons fous. Ils rejettent. Tant pis pour vous. Voilà cette petite chose. Tant pis pour eux. De toute façon, je conquérirai Sparte, Athènes et Épire. Une fois que le royaume de Tilis, ici présent, sera éliminé et rasé. Voilà, l'armée est bientôt prête. On se retrouve sur le champ de bataille, une deuxième fois. Alors voilà, l'armée est en route. Elle est composée de deux unités d'hoplites que j'ai fait venir par Cosmas, donc l'armée de Cosmas ici. Plus le recrutement de frondeurs et de deux unités de cavalerie Saris, plus la flotte ici, la petite flotte qui va venir ici contrer, et vous voyez que l'armée ennemie s'est considérablement améliorée, donc en chemin je prendrai des mercenaires qui sont fort nombreux pour ne pas qu'elle se renforce encore plus et que ce soit plus difficile. Par delà, mon espion va aussi faire un sabotage militaire, empoisonner les provisions juste au prochain tour. Quand mon armée sera avancée à peu près ici et qu'elle sera prête à l'attaque au prochain tour, eh bien j'empoisonnerai les provisions. Ici, je vais aussi recruter des mercenaires. Donc ça va coûter un petit peu, mais ça vaudra largement le coup pour anéantir ce petit royaume qui nous tient tête. Après, on pourra s'occuper du problème Épire, Athènes, Sparte. Mais pour l'instant, le royaume de Tilis est notre principale option. A tout de suite pour l'attaque. Une troisième fois. Nouvelle du bataillon. La bataille d'Ataiai approche. Pourquoi l'armée de Tilis s'est avancée ici? On va pouvoir l'affronter avant. Peut-être même réussir à assassiner leur général, ce qui donnera un net avantage. Après, il ne suffira qu'à prendre la ville avec le restant des forces et la flotte qui est ici. Nouveau, la mission a été envoyée. Il faut prendre la ville. On gagnera en plus de la trésorerie et pendant 2 tours, 10% de morale en plus pour toutes les unités. Donc c'est sympa. On a 10 tours pour la faire, donc on est largement en avance. Et une alliance a été établie. Égypte, Athènes. L'Égypte, un de nos lointains objectifs, car ça a été un royaume diadoque, auparavant sur le contrôle du grand Alexandre le Grand. Du grand Alexandre le Grand, oui. D'Alexandre le Grand, donc l'Égypte. Avec la Bactrie qui est très très loin, à peu près ici, donc vous voyez la carte. Voilà, la Bactrie, l'Égypte. Et le troisième empire d'Edoc, les Séleucides, qui se trouve ici. Donc voilà, morcelé en trois royaumes. Donc ici, après, il y a l'Inde et tout ça. Là, c'est la mer Caspienne, la mer Noire, et la mer Rouge, et la mer Arabe. D'accord. Bon, là, après, ça donne sur l'océan Indien. Vous voyez comme c'est grand, hein, ça ne se limite pas qu'à Rome. Voilà. Allez. Vous êtes prêts pour cette attaque? Vous attendez que ça en fait depuis le début de l'épisode, j'en suis sûr.
Vous faites chier. Non, je rigole. Allez. Je vais recruter des mercenaires. Ah, quoique, regardez. Ah non, mais c'est bon. C'est bon, en fait. On va recruter quelques mercenaires. Ça nous donnera un net avantage. Pas trop cher. Voilà. Ça nous coûtait bonbon, mais c'est pas grave. Regardez. Bon ben là on est au maximum de notre force. C'est parti. Ah voyez. Prochain tour. C'est peut-être Manly qui va m'attaquer. C'est pas grave. Pillage. Ici. Moi. Pff, en plus ça coûte cher. C'est pas grave. Ça suffira largement. Contre ça. J'ai plus de force. Même si des peltas royaux. Allez, on termine le tour ensemble. Le sauvegarde, parce qu'on sait jamais. Ça met ça bug parce que la sauvegarde automatique dès le dernier tour. Donc voilà un épisode un peu plus long. Je suis désolé. Ou peut-être plus court, je ne sais pas. Vu les coupures que je fais, c'est pour soit moins chiant à regarder. Allez. Ready for battle. Attendez, avant, on va faire un petit truc. On va tenter. Un assassinat avec la lame cachée. Échec bien sûr. En plus il était vu. Mais il a augmenté son niveau. Elle a augmenté son niveau. Ah. Alors 4. On va augmenter son zèle. C'est parti. On t'attend mon cher, on t'attend. Ah, il se replie. Et il se met en fortification. Ça va être plus dur pour nous. Mais c'est pas grave, on va le tirer en faisant un mode pillage. On a du temps de toute façon, on a plus de 10 tours. Et il a bougé son navire aussi. Ah, on a rencontré Rome. Bon. On va leur dire coucou. Ok, ils s'en foutent en fait. Traité avec Épire, ils n'aiment pas. Mais affinité culturelle. Action militaire contre Épire, ouais, 3. Peut-être... Non, ils s'en battent les couilles. Ok, ils s'en battent complètement les couilles en fait. Aucune chance de faire de la diplomatie avec eux. Devenir le statut de client. Ça va être bien ça. Même si on est en difficulté difficile... C'est intéressant parce que en normal je vous dis c'est chiant. En facile, j'ai jamais essayé mais ça doit être pire que normal. Et en difficile c'est intéressant. En difficile. Après très difficile, j'imagine que c'est bien sûr très difficile. Et en légendaire, bon ben j'imagine que c'est pire que Halo en mode légendaire. Donc mais la difficile c'est la difficulté que je vous recommande. C'est amusant. On s'amuse. Parce qu'il y a de la difficulté. Ouais. Ah, vous savez quoi? On va se faire du fric. Quoique. Ah mais attendez. Ça va nous donner plus 5 de morale. Juste pour voir.
Ah, ça va nous donner. Voilà. Et là, on peut même attaquer. On aura plus 10 de morale. Plus moins 20 coups d'entretien des forces de l'armée. 20%. Bon, bah, même si on est en mode bastion, on va déjà faire un petit truc avec la jarre. Empoisonner les piliers. Enfin, allez. En toi, t'es mauvaise, hein. Allez, à l'attaque. Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? On va le mettre normal là. Voilà, c'est bon, là, tu peux. Allez, attaque. Bon, voyez. Ah putain, il est renfort du. Bon, bah, voilà une bataille intéressante, les gars. Les gens, plutôt. Une bataille intéressante. On est en infériorité numérique. Et on attaque. Et oui, bien sûr, j'avais oublié ça, les renforts de la cité. Bon, ils sont que 540, mais ça peut changer, donc. Non, mais aucun problème. J'ai pas mal de frondeurs. J'ai 3 unités de piquet, donc ça. Plus des hoplites, la cavalerie, beaucoup de cavalerie. Ça va être parfait. Déjà aligné. Alors que lui, bon, regardez. Il a 4 unités d'élite. Après, 7 unités de merde, de char à canon. Après, 2 unités de cavalerie intéressantes. Et après, des frondeurs que je vais vite éliminer. Puis après, il aura avec les renforts une unité de mercenaires traces, enfin de guerriers traces en plus. Donc c'est parti. À l'attaque. Vous voyez les guerriers traces? Des sales épées. Voilà, on y relais. Bon, les tours vont nous faire chier par contre. Sans 50 de portée, c'est parfait. Tous les frondeurs sont comme ça. Bon, ça devrait aller, même si la plupart des unités sont cachées, mais vu la défense qu'il fait, ça devrait aller. Les renforts ennemis, je sais pas par où ils vont arriver. Donc on va plutôt se caler. Plutôt se caler là. Ce sera mieux. Beaucoup mieux même. Par rapport au tour. Ce sera moins proche. Allez, c'est parti. Porte. Porteur de bouclier, ex-unité d'élite. Bien stylé. Ah, attendez. Voilà. 4 unités de piqué, qu'est-ce que j'ai dit? Plutôt les mettre en ligne double. Antigone. Antigone, j'avais même pas vu qu'il s'appelait Antigone. C'est parfait. Ensuite, la cavalerie. On va la laisser ici. On va éviter de la rentrer. Genre la cavalerie des compagnons, elle ira avec eux. Pour les renforts ennemis. Pour les retenir un peu. Et par contre, eux, ils vont charger à l'intérieur vu que c'est la grosse cavalerie comme la colonne. On charge, quoi. Eux, on va faire ça.
Hop. Et les frondeurs en première ligne, bien sûr. Voilà, c'est parti. Il n'y a pas trop à réfléchir sur des assauts comme ça, je pense. Bon, voilà, mes renforts ennemis sont-ils en retard? J'en sais rien. Eh ben non, pas comme dans Rome 1, hein. Ils étaient tout le temps en retard dans Rome 1. Du coup, ils venaient pas. Bon, regardez. Franchement. Rien du tout. Bon, une fois qu'on a un port... Ah, quoi, attendez. On va plutôt les mettre là. Ouais. Bon, ils sont bien loin, hein. Changer de stratégie, attendez. Plutôt envoyer les piquets là. Pour retenir les renforts ennemis. Avec la cavalerie. Donc on risque d'avoir un peu de perte là, mais. Au moins. Et ce groupe là va aller à l'attaque. Fait pas vous tirer. Ah ben regardez, défense pas terrible. Par contre c'est bien regroupé là. C'est bien, faut bien viser les guerriers traces là. Alors on va intercepter ce gros groupe là. Je vais essayer d'envoyer la cavalerie. Voilà, trop tard pour eux, je pense. Voilà, tu mords bien l'hameçon. Qu'est-ce que j'ai sélectionné? Ah, le con. Qu'est-ce que j'ai fait? Putain. Ça c'est chiant hein, quand on sélectionne mal, je peux vous dire. Ça énerve vraiment beaucoup.
De toute façon, c'est de la cavalerie mercenaire, on s'en fout, après je les vire. Il a compris ce qu'il fallait faire, donc on va arrêter de tirer. Ça va. Bon, on va commencer à penser. Sûr. Voilà. Non, tu crois? Fais voir. Ah ouais, faut pas les laisser là, donc on attaque, on attaque. Il risque d'y avoir des pièges là, on va envoyer. Ouais, on va envoyer le cavalier. On a perdu un porteur au pied. T'es me chope avec ces trucs de merde. Attaque. Non, ils ont fait n'importe quoi. Bon, ça fait un peu de diversion. On va essayer de pas perdre le général, ce serait bien. Bon là par contre, profondeur, faut tirer. Vous voyez comme c'est pas évident hein, d'attaquer un fort. Voilà, je m'en fous un peu des pertes puisqu'après de toute façon ça va rapporter un peu quand même. Ah mais qu'est-ce qu'ils font là? Regardez-moi ça! Les javelots, tous les javelots dans le truc là. Tirez là. Qui? Ah oui eux, on s'en fout. C'est juste pour faire une diversion. Comme si j'allais vraiment penser que... Putain, eux, là, qu'ils font quoi, là? Qu'est-ce qu'il fait? En plus, il a plein de munitions, lui. Poussez! Putain, mais les flèches que je me prends, là... Ou les javelots, là, c'est rien, parce que... Allez, vous balayez tout, hein. En fait, la cavalerie, on va la massacrer si on la voit, il faut le comprendre. Du coup, on laisse la cavalerie en dehors. Général, une de nos
On va essayer de retirer le général de là, parce qu'il se fait défoncer. Regardez-moi ce bordel. Ça lag et tout. Allez, attaquez-moi. En formation. Faut vraiment capturer ces putains de tours. On va le laisser hors de portée. Putain, mais ces frondeurs, ils servent vraiment à rien. Voilà, ça y est. Ça va piquer en formation. Et vous aussi, là. Allez vite, baissez les pics là, putain. Non, ça va, attends. Je suis en train de prendre une tour. Allez, information, à l'attaque. Putain, ils font n'importe quoi. Allez, faut inspirer les troupes. Hein. Ça y est, c'est ma tour maintenant. Là, je crois qu'on peut la faire rentrer la cavalerie. Elle va servir. Non, sans fait défense. Oh, très bien ça. Quelle honte. Attendez deux secondes, je reviens. Oh bonjour. C'est parti. Moi aussi se replie, on s'en fout aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais lui donner l'ordre encore.
Donnez-moi cette putain de tour. Vous voyez, c'est dur quand même. Chaud, chaud, chaud. Ah, regardez. Presque gagné. Se replient tous. Allez, tuer tout ça là. Parce qu'après ça retombe dans leur cité de merde. Il va falloir le recombattre. Allez, tu es là. C'est ça, Rapio. Les guerriers fidèles. Il en reste pas mal. Voilà, ça te fait. J'espère bien. Et voilà. Et ouais, victoire très coûteuse, les amis. Mais on a gagné. Et on a éliminé presque... Bon, on a éliminé totalement beaucoup de bataillons, là. C'est bien. Très très bien.
Et voyez, il n'est pas vaincu. Mais déjà, ça, on va les tuer. Et la plus générale. Et moi, je vais recruter des mercenaires. Comme je vous ai dit que ça allait coûter cher. Voilà. Bon, on peut réattaquer direct. Alors ici, on peut faire ça. On va faire ça. Tenir le locus et maintenant à l'attaque. Bon bah là on va pas se faire chier, résolution auto agressif et voilà, bim. Ah bon, j'ai perdu mon amiral par contre, hein. Ah, pas mal de pertes quand même. Bon, c'est pas bien grave, vu que c'était des mercenaires, puis là, bon, pas grave. Habillé. D'accord. Subjugué. C'est un truc bien. Non. Écoutez, on va le raser. Dommage. Le mec s'en fout. On a atteint un objectif et nous avons détruit le royaume de Tis. C'est parfait. Et si on améliore le général. Et maintenant, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 4. Salut !